바로 나 자신인 것이다. 나는 마법제다. 무한히 계속되는 일순간의 시각을 맛보도록 해. 시간 구속 마법. 크로노스타시스. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'introduction vous a plu. Et on va directement parler de Julius, vu que ça sera le prochain personnage qui va arriver. C'est un personnage spécial dans le sens où, justement, ça sera un portail rated unique en son genre. L'équivalent, d'après certaines rumeurs, ça serait les Ultras. Ou les fils de Nanatsu ou les ultras de DB légende Je veux dire que on sera à un taux réellement, mais réellement euh, bas pour pouvoir le drop. Alors, on est sur la, euh, sur la page de Black Lover Wiki, justement, de Julius. Et euh, on va voir un peu ses compétences. On a la magie temporelle, la magie d'entrave et la magie métamorphique. Bien sûr. Comme vous l'avez vu, le personnage ne sera pas un DPS. C'est débile que ce soit un DPS au vu de ce que ce qu'il peut faire dans l'anime. Dans le sens où le personnage a une capacité de... Plutôt il a des compétences et des aptitudes qui lui permettent de ralentir le temps. Euh, D'augmenter euh, euh, justement la vitesse de ses, euh, ses alliés. Et là, si on peut retranscrire ça justement dans euh, le jeu. Le perso pour moi sera un debuffer. On, on sait déjà que ça sera un debuffer, mais j'avais déjà cette idée en tête depuis quelques semaines voire quelques mois avant que les leaks euh, soient disponibles. Mais dans le sens où le personnage en lui-même, euh, je le verrais mal faire énormément de dégâts. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que le personnage aura, je pense, Lune voire la meilleure euh, stat en speed du jeu au vu de son portail unique vu que ça sera je crois un portail célébration ou autre un portail spécial euh, Festi en, enfin on sait pas encore à 100% si c'est Festi mais ça sera l'équivalent d'un portail Festi au vu du personnage. Alors pour ses compétences, on va quand même on, a, on va sur Google Trad c'est en anglais, mais pour éviter de perdre du temps aux gens qui ne comprennent pas l'anglais, on fait directement la trad auto. Et du coup, il utilise sa compétence basique. Il utilise la magie temporelle pour transférer rapidement des balles magiques du côté des ennemis et infligeant des dégâts à un ennemi. Par la même occasion, il réduit la speed sur, je pense, un tour. Enfin, je pense pas que ça sera au-delà d'un tour, ça serait beaucoup trop fort. Compétence 2. Déformé, et time euh, utilise la magie temporelle pour s'approcher rapidement des ennemis et faire exploser une orbe magique, infligeant des dégâts à tous les ennemis. Du coup, attaque à eux, inflige euh, temps euh, arrêté à un ennemi pendant x tours. Je pense là, on est sur deux tours. Suivant augmentation du niveau de speed euh, sur un ou deux tours d'infliger euh, mobilité réduite à un ennemi. N'oublions pas que la speed et la mobilité sont deux choses différentes. Dans, dans le sens où euh, la speed va permettre, va vous permettre, euh, si je ne dis pas de bêtises, d'augmenter, enfin de vous permettre de commencer avant l'ennemi. Alors que la mobilité, c'est euh, justement quelque chose de différent. Je pense que la mobilité... Je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est soit. C'est lié. Euh si je ne dis pas de bêtises, aux compétences. Au point de compétences. Soit c'est lié à l'esquive, mais je pense pas que ce soit lié à l'esquive. Mais dans tout cas, vous allez me dire en commentaire, parce qu'à chaque fois, j'oublie la différence, mais je sais qu'il y a une différence entre les deux. Autant pour moi. Alors. Euh alors, arrête le temps de recharge du skill 2. Ok. Pour la spéciale, Chronostase. Le vrai nom, c'est Chronostasis. Comme c'est dit dans l'anime. Dans Retire un ennemi avec Chronostasis et lui tire des balles magiques lui infligeant des dégâts. Inflige étourdissement à un ennemi pendant, je pense, un ou deux tours. Si un ennemi euh, est immunisé contre étourdissement, inflige euh, mobilité réduite sur lui. Bon, premier passif, celui qui débloque. Au au justement au UR Et réduit La speed et le passif d'éveil Il gagne un nombre de vitesses supplémentaires Du coup la vitesse je pense que ça va lui permettre De penser plus rapidement le tour Du cas également des stuff Qui permettent d'avoir plus de de, de de stamina Etc etc De stamina, de mobilité Etc etc Alors de quelle couleur sera le personnage enfin, Le personnage sera de type vert. où il rentrera dans la team de Licht, euh, Dorades, et comment elle s'appelle la dernière euh, Mimosa. Après, je pense que dans ces conditions-là, il ne sera pas nécessaire de jouer euh, une Liste, mais plutôt de jouer sur une team euh, sur la longévité. Dans le sens où si vous jouez par exemple euh, Ril alors comme je disais si on part sur euh, on va dire euh, un peu théorie craft et qu'on partait sur reel, alors dans ce cas là je, je disais que il serait pas nécessaire de forcément jouer un DPS si vous voulez euh, jouer sur la longévité et terminer vous pouvez être tranquillement dans le sens Reel, euh, qui d'autre Rades même lui, il passerait bien. passerait super bien. L'île Rades et justement Julius. Après, vous avez également la possibilité de jouer Fuego euh, euh, Leon. Mais bon, entre les deux, dans une team monocouleur, je verrais bien Julius rentrer dans une team sans DPS. Surtout si, euh, surtout si, euh, si lui est stun et que son stun est suivi avec le stun de Real que s'il réduit, il augmente la speed et la mobilité. Vous avez bien compris qu'il ne sera plus nécessaire de jouer ça, euh, de, de jouer ça vu que qu'on va passer notre temps à attaquer au, tout le temps sans que justement euh, l'adversaire ne puisse riposter. Et c'est pour ça que le perso sera super intéressant. Qui plus est. Comme j'ai dit en début de vidéo, le personnage pourrait avoir la speed la plus élevée du jeu au vu, euh, au vu de son type de, de, de personnage, vu que ça sera un debuffer. Le perso sera super, super intéressant. Stun, réduction, augmentation de speed, euh, réduction de mobilité, et augmentation de mobilité, si je ne dis pas de bêtises. Et surtout, les gars, économisez, parce qu'il faudra invoquer sur, cette, euh, sur ce portail-là. Il va rentrer dans les trois quarts des teams, même à contre-chip, vu qu'il aura la speed la plus élevée du jeu. Qui plus est, même ses compétences seront broken. Sont beaucoup beaucoup trop broken. Alors concernant euh, concernant sa carte, alors là ça sera un peu plus, euh, plus spécial. Alors déjà, son attaque du haut. Si il a un buff activé. Il a une augmentation de dégâts dans les mêmes tours. Pour son grimoire, il n'est pas encore disponible. Mais le passif de son grimoire, c'est il a une possibilité de, euh, de euh, bloquer la réduction de mobilité, si je ne dis pas de bêtises. Selon la traduction. Du coup, voilà. Ça sera tout. Pour ce petit euh, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça ferait énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace